Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un de mes livres de coloriage. Donc c'est le grand classique Art Déco, donc c'est le tome 2. Donc chez Hachette Heroes, donc c'est du Disney. Voilà, la couverture est juste magnifique. Je vais essayer, voilà, vous voyez, c'est juste magnifique. J'ai pas le premier, je l'ai pas encore trouvé, donc peut-être que je craquerai quand même pour le premier. J'essaierai de me le commander sur Amazon, peut-être si je trouve, je verrai. Mais bon, pour l'instant, j'ai de quoi faire de toute manière. Donc voilà, la couverture est juste magnifique et voilà, ça fait craquer. Donc ceux-ci sont à 12,90€, mais si vous les achetez comme d'habitude en grande surface, vous avez les 5%, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà comment il est à l'arrière. Donc dans ceci, vous pouvez y aller au crayon de couleur et feutre, ça passe très bien. Un papier Hachette, il est très bien. Donc je vais essayer de dézoomer pour que vous voyez quand même les pages en entier, ça serait bien. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas commencé du tout. Je l'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça donne juste trop envie. Mais vous avez limite peur de colorier et de faire des bêtises. Donc, comme d'habitude, vous avez une intro. Vous avez une page pour tester vos couleurs. Et comme ils aiment bien faire en ce moment maintenant, j'ai l'impression c'est faire des chapitres. Donc là on a des créatures fantastiques. J'espère que vous voyez bien. Donc j'aime beaucoup l'univers de Disney. Bon, après avec Bibou, quand il sera en âge, je pourrais lui faire des photocopies si je les ai pas tous dessinés. De toute manière, on en trouve pas mal sur Google. Hein. Mais voilà, pourquoi pas lui faire des petites photocopies des Cars par exemple. Comme ça, il dessinera en même temps que maman. Donc là, on a Mickey, Minnie, Donald et compagnie. Donc c'est des malins, ils ont peut-être remplacé les doubles pages par des pages de chapitres. Mais bon, ça donne quand même de quoi dessiner. Voilà, si vous n'avez pas trop de temps devant vous, voilà, vous pouvez commencer les en-têtes de chapitres. Ça peut être pas mal aussi. Donc celle-ci, je sais pas trop si je vais pas les photocopier et les faire parce qu'ils sont quand même très jolis et voilà, ils donnent limite envie de les encadrer. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais vous avez les marges sur les côtés, enfin c'est vraiment pour moi prêt à être encadré quoi. Donc si vous avez le Art Déco, enfin le tome 1 des grands classiques Art Déco, si vous l'avez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que je devrais craquer pour ou pas. Donc Winnie et ses amis, voilà, comment vous dire que un chapitre complet sur Winnie, j'étais obligée de le prendre. Voilà. Mais voilà. Je suis un petit peu... Voilà. On a déjà fini le chapitre. Mais il y a du Winnie, donc je suis toujours contente. Mais là, il y en a trop peu, quoi. On les a tous, au moins, les personnages. Bourriquet, il est où? On a Bourriquet, mais on a... non, pas c'est Porcinet. Bourriquet, on l'a pas. Hein? Donc, Hachette, là, vous faites quoi?
un chapitre avec seulement 2 pages. Non, c'est pas bien. Donc après le bestiaire Disney, je me suis fait avoir sur ma version, il manque des pages. Enfin, je sais pas moi, un chapitre avec seulement 2 pages. Non, tu fais pas un... Tu l'inclus quelque part, mais tu fais pas un chapitre Winnie si... Non. Vous entendez le mécontentement là. Alors, on continue. Moi, je suis pas contente. Je vais leur envoyer un courrier. Peut-être pas, mais... De là à faire un chapitre, non, toi, ils auraient dû en mettre, en inclure beaucoup plus, c'était possible en plus. Franchement. Voilà, je pense pas à tous ces fans de Winnie qui sont comme moi. Comme d'habitude, le papier, le grain de papier est vraiment très bien, donc très blanc. Oui, ils sont très jolis, donc ça donne vraiment envie de, voilà, de les encadrer. Là, vous voyez, le chapitre, il est grand. Voilà. Fantasia. Je sais même pas si je l'ai vu celui-là. Si, je crois. C'est Anastasia que j'ai pas vu. Je sais même pas si c'est un Disney. Humain imaginaire. Nous avons des fées. Donc voilà. Je craque aussi. Hein. J'adore les fées. Celui-là, je suis un peu moins fan. Je l'ai toujours pas vu plus haut, mais voilà. Non, c'est là-haut, c'est pas plus haut. C'est là-haut, je crois. Toujours pas vu. Il y en a tellement que j'ai pas vu. En même temps, prince et princesse. J'aime beaucoup ce personnage. À quand la réécriture de conte d'Ariel, hein? Ça serait bien. Voilà. Parce que là, la Belle et la Bête, on en mange. Je vais tourner un petit peu. Très bien, réponse. Bon, je vous avoue que Mulan, je ne l'ai pas vu non plus. Hein. La Rebelle, je l'ai vue. La Belle et la Bête, je l'ai vue il y a peu. Réponse, je l'ai vue. Et là, vous avez donc la légende. Voilà, ils ont rajouté ça à la fin, alors qu'ils auraient très bien pu rajouter ça en petit, en dessous. Ou en haut, voilà. Enfin... Que d'afficher ça, rajouter des pages juste pour ça, je sais pas. Qu'en pensez-vous? Parce que du coup, autant de pages. Donc le fameux chapitre de Winnie, voilà, 2 pages contre je ne sais combien de pages pour les autres. Donc, voilà, c'est le bémol de cet album, je trouve. Et ça, à la fin, la légende, c'est pas, voilà, c'était pas forcément à faire de cette façon-là, je trouve. Et vous avez une charte pour les couleurs.
qui m'aide pas habituellement. Donc je regarderai ça un peu plus en détail. Et voilà, ils vous mettent de quoi vous, vous faire baver un petit peu, histoire de vous dire ah mais j'ai pas celui-là, j'ai pas celui-là, j'ai pas celui-là. Et j'aurais bien voulu celui-ci. Donc oui, c'est celui-ci que je n'ai pas. Enfin, en même temps, c'est pas celui que je n'ai pas. Celui-ci je l'ai, celui-ci je l'ai. Celui-ci je l'ai, celui-ci je l'ai. Ici tout. Voilà. Mais oui, pourquoi pas acheter celui-ci. Celui-ci, il me faisait envie aussi. Donc le pupille, bah, moi je l'ai en version plus petit. Enfin, pupille, non, c'est pas pupille, c'est bélise, mais bon, c'est à peu près dans le style. Et celui-ci, je l'ai commencé, mais il va falloir que je le mette aussi. Et c'est pas évident, les chiffres sont vraiment. Il y a de quoi se tromper et. Il faut pas être fatigué quoi pour faire. Mais voilà. Pour celui-ci, donc moi j'aime bien, même les tranches je les trouve jolies, enfin ça fait bien, vraiment très joli. Mais voilà, le bémol c'est le chapitre, voilà, j'appelle pas ça un chapitre, de dessin sur Winnie, où j'attendais plus. Et la légende de fin qui m'a pas l'air, enfin voilà, c'est gaspiller du papier pour, voilà, ils auraient pu mettre ça en bas. En bas des dessins, je ne sais pas. Ou sur la page d'entrée de chapitre, au pire, je ne sais pas. Non, parce que après vous pouvez plus colorier. Je sais pas, mais c'est pas cool. Dans les autres, ils les mettent pas, donc je vois dans les petits, j'ai pas de légende, donc. Donc voilà pour celui-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.